Si on regarde l'histoire du rapport entre le christianisme et le judaïsme, ce qu'on voit, c'est pendant des siècles, des siècles, une attitude où euh, souvent euh, les chrétiens ont considéré que dans le plan de Dieu, il remplaçaient le peuple juif. Et puis parfois, l'idée était plus euh, plus sévère, c'est-à-dire, en gros, le peuple d'Israël n'a pas reconnu son Messie, et du coup. Dieu a écarté le peuple d'Israël et à la place du peuple d'Israël a mis l'Église. Et puis parfois c'est encore pire, c'est pas simplement on écarte, mais Dieu punit le peuple juif qui devient peuple maudit, etc. Et, et il y a eu des théories selon lesquelles, euh, et je pense que beaucoup d'entre nous, même ici, nous avons entendu ça ou même appris ça à certains moments, euh, ce sont les juifs qui ont tué Jésus. Ce qui est clair, c'est que. Euh, bon, par exemple, l'Église catholique a pris une position assez nette à Vatican II dans le document qui s'appelle Nostra Etate. C'est le document sur les relations avec les autres religions. Et au, au chapitre 4 de Nostra Etate, euh, l'Église catholique dit euh, Le peuple juif, le peuple d'Israël, ce sont les racines. Mais après, ils ajoutent. Et l'Église continue à recevoir la sève ou le, euh, disons, à se nourrir de ses racines. Et là, je fais une petite parenthèse, parce qu'on dit très souvent, le peuple d'Israël, ce sont nos racines. Mais souvent, on ne le pense pas comme, comme on penserait un arbre. Les racines dans un arbre, c'est maintenant qu'elles donnent la sève. La plupart du temps, je crois, hein, quand on dit... Le peuple juif, ce sont nos racines. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est le passé. C'est le passé. Mais le, les racines, c'est le présent de l'arbre. Et, et les racines ont un rôle capital, maintenant, pour l'arbre. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est quel est le rôle capital, maintenant, du peuple juif pour l'humanité, pour l'Église, pour nous Jean-Paul II disait l'ancienne alliance dans l'alliance faite avec le peuple d'israël n'a jamais été révoquée dieu jamais ne rompt une promesse qu'il fait quelle que soit l'attitude d'ailleurs des gens à qui il fait la promesse parce que ça dépend de dieu et pas de nous et du coup ça veut dire euh, très concrètement que le peuple d'israël le peuple juif demeure encore maintenant le peuple de dieu et hum, il a une place irremplaçable dans l'histoire du salut. Et on se rend compte qu'il y a un rapport unique entre l'Église et le peuple juif. On parle beaucoup des ruptures, des, des blessures qui ont euh, rompu l'unité du corps du Christ, mais la première rupture, la première blessure dans le peuple de Dieu, je n'ai pas dit le corps du Christ, là, j'ai dit dans le peuple de Dieu, c'est la rupture entre les Juifs et les nations. Ou la rupture à l'intérieur du monde juif entre ceux qui croyaient en Jésus et ceux qui ne croyaient pas en Jésus. Et on dit, cette, beaucoup de, de théologiens disent, c'est le point de départ de toutes les autres divisions. Et que si un jour on veut guérir les blessures de l'Église, il faudra qu'on guérisse cette première blessure. Mais pour commencer, donc, quelle est la place du peuple juif, du peuple d'Israël, dans le dessein de Dieu Je vais beaucoup me baser sur une sorte d'interprétation un peu libre de l'image que donne Paul dans Romains 11 de l'olivier. Vous vous rappelez, dans Romains 11, Paul dit il y a un olivier qui a des racines saintes et. Euh, ça c'est l'olivier domestique, et sur cet olivier domestique, sur ses racines saintes, est greffé un rameau sauvage. Et c'est clair que les racines saintes, c'est les patriarches, euh, peut-être le peuple d'Israël, et puis que les, le rameau greffé, ce sont les nations, les gentils, les païens. Et puis il y a aussi le mystère qui est que une partie des branches euh, domestiques, naturelles, euh, sont cassées parce qu'elles n'ont pas accueilli le Messie. Alors, on va essayer de comprendre tout ça. Première, première étape, en fait, c'est l'étape zéro. Je vais faire étape zéro, et puis ensuite, je vais prendre les trois branches de l'olivier. Vous verrez que l'olivier aura trois branches, d'après mon interprétation. L'étape zéro, c'est parler de la, la racine sainte. Dieu fait un premier essai avec Adam et Ève et leurs descendance, c'est-à-dire toute l'humanité, et ça marche pas. Ça dure onze chapitres, en gros, et ça ne marche pas. Et Dieu reprend, il reprend en disant, je vais pas commencer avec tout le monde, je vais commencer avec un petit groupe. Je vais commencer avec un peuple. Et c'est vrai qu'à partir de là, il y a l'élection de l'appel d'Abraham, la promesse faite à Abraham et à sa descendance, et puis on a les patriarches, on a les prophètes, etc., etc. Pourquoi est-ce que euh, Dieu choisit un peuple Ce peuple, il est choisi pour qui est un premier partenaire avec Dieu. Il est choisi pour être témoin, témoin du Dieu unique. Il est choisi aussi pour préparer la venue du Messie et puis produire le Messie. Le, le mot n'est pas très beau, mais <laughs> pour produire le Messie. Au fond, une des raisons principales pourquoi ce peuple est choisi, c'est pour tous les autres peuples. Dans l'appel d'Abraham, Genèse 12, Dieu appelle Abraham et dit, tu seras une bénédiction pour toutes les nations, pour toutes les familles de la terre. Tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et on retrouve des expressions comme ça, par exemple en Isaïe. La fameuse expression lumière des nations, c'est le peuple d'Israël. En Isaïe, je crois que c'est 44 et 48. Euh, en tout cas, il y a deux ou trois fois dans Isaïe où il est dit euh, au peuple d'Israël Tu es ou tu seras la lumière des nations. Donc, le peuple d'Israël est choisi pour être la lumière des nations. Et. Au fond, c'est un peu la logique de Dieu en général. Dieu souvent commence comme ça. Il a commencé comme ça avec, euh, avec Abraham, et il commence comme ça dans l'histoire de l'Église. Il commence par un petit groupe, douze apôtres. Il commence comme ça pour les communautés, les ordres religieux. Et c'est à partir de d'un et d'un petit groupe que le charisme ou que la révélation se répand aux autres. C'est pas, ça, est, il faut être très, très clair là-dessus. C'est pas parce que, euh, les, les élus sont supérieurs aux autres. C'est pas parce que le peuple choisi est supérieur aux autres. C'est, c'est vraiment un acte de gratuité de la part de Dieu de choisir un et de transmettre aux autres à partir de un. D'ailleurs, même dans la, dans la, il y a un moment dans le Deutéronome où Dieu dit au peuple juif, euh, je ne t'ai pas choisi parce que tu es une grande nation, je t'ai choisi parce que tu es le plus petit des peuples. Souvent, Dieu choisit le plus petit. Et c'est très intéressant, c'est que le peuple juif est resté toujours à travers l'histoire un tout petit peuple. Un tout tout petit peuple. Actuellement, on pense qu'il doit y avoir à peu près 16 millions de juifs dans le monde. C'est petit, c'est vraiment petit. Donc ça, c'est la première étape. On a un peuple. Et Dieu le choisit, Dieu l'accompagne, donc Abraham et Sarah, Isaac, Jacob, qui, qui reçoit le nom d'Israël, donc c'est le premier père, disons, euh, d'Israël, avec euh, il enfante douze enfants, ça donne les douze tribus d'Israël, et puis ensuite on a euh, les juges, on a David, on aura Moïse, les prophètes, et on produit le Messie. Alors, qu'est-ce que c'est que la première branche, celle du centre C'est celle qui est le plus, disons, selon le dessein de Dieu. C'est ce, ce qui se passe au départ selon le dessein de Dieu. C'est euh, les membres du peuple juif qui accueillent Jésus comme Messie. C'est la majorité des chrétiens jusqu'au premier tiers du deuxième siècle, jusqu'en 130-140. C'est Marie, dont déjà Jean-Baptiste, Marie les apôtres paul et, et tous les autres en fait c'est ceux qui sont la nouvelle alliance et je veux juste dire une petite chose sur l'expression nouvelle alliance nouveau dans la plupart de nos langues peut, peut dire peut vouloir dire deux choses soit c'est autre chose quand on a une nouvelle voiture c'est pas la même <laughs> c'est une autre voiture par contre dans la Bible la plupart du temps, nouveau ne veut pas dire autre, mais ça veut dire renouvelé. Par exemple, un cœur nouveau. c'est pas un autre cœur, c'est le même cœur renouvelé. L'homme nouveau, comme dit Saint Paul, ben ce n'est pas que quelqu'un d'autre a pris votre place, c'est vous qui êtes renouvelé. Et la nouvelle alliance, je pense qu'on peut la, la, la comprendre comme ça. Rappelez-vous Jérémie 31-31 dieu dit et écoutez à qui dit ça je ferai avec vous maison d'israël maison de judas une alliance nouvelle donc l'alliance nouvelle elle est faite avec qui les mêmes pas un autre peuple elle est faite avec les mêmes le dessein de dieu ce n'est pas de transférer l'alliance à un autre peuple mais de renouveler l'alliance de ce peuple. Jésus ne voulait pas fonder une autre religion. Jésus voulait simplement renouveler, accomplir sa religion. Très clairement, Jésus dit en Matthieu 5, 17 à 18, Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu, venu l'accomplir. Pas un iota de la loi ne passera avant que tout soit accompli. Pour résumer en une phrase, il y a très très peu de choses dans l'enseignement de Jésus rapporté par le Nouveau Testament qui est nouveau par rapport à l'enseignement que l'on trouve dans les différents courants du judaïsme de l'époque ou bien juste un petit peu après. Pendant un, deux, trois siècles, parfois plus, les juifs qui devenaient chrétiens maintenaient leur intégration dans le peuple juif et dans les pratiques du peuple juif. Et puis peu à peu, peu à peu, ils ont été... Englouti. Et vous voyez, englouti par la masse des chrétiens provenant des nations. Et normalement, ce schéma-là, ça montre que. Euh, mais il est, il est même pas proportionné comme il faut. Le, la branche de droite, c'est la branche greffée. C'est la branche des nations qui ont été greffées. Elle grandit énormément. Actuellement, on, pourrait, on peut dire, probablement, le christianisme, c'est 2 milliards, un peu plus de 2 milliards d'êtres humains. Et le, le peuple juif, c'est 15 millions. Donc, première branche, c'est les rameaux naturels, les juifs croyant en Jésus. Deuxième branche, c'est la greffe, le greffon. Donc, ce petit bout des nations qui va entrer dans le peuple et qui va grandir et grandir et grandir. C'est finalement le grand apport, un des grands apports du Messie. C'est de dire, maintenant, les autres sont admis à l'intérieur du peuple. Je vais peut-être faire une petite remarque de texte. Regardez dans vos Bibles, Romains 11, 17. Dans la plupart des Bibles, c'est marqué, le, la branche sauvage a été greffée à la place de Des autres branches, de, à la place de. Euh, oui, à la place des autres branches. En fait, en grec, c'est en autois, qui veut dire littéralement parmi les autres branches. Vous voyez la différence C'est pas du tout. Non, c'est pas du tout. On peut toujours interpréter différemment, mais la, le sens premier, c'est. Cette, les autres la branche des nations est placée avec les autres pas à la place des autres et on peut vraiment dire que c'est le grand c'est la grande annonce prophétique on trouve ça sur, surtout chez les prophètes que à la fin des temps au moment ce qu'on appelle l'ère messianique au moment du messie qu'est-ce qui va se passer eh bien les nations les autres peuples vont rejoindre Sion, vous rejoindre le peuple d'Israël. Je lis euh, Isaïe 2, 2 par exemple. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de, du Seigneur sera fondée sur le sommet des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus les collines et toutes les nations y afflueront. Et faites attention quand vous lisez l'Ancien Testament, ça devrait être un premier résultat de cet enseignement. C'est que quand on lit toutes les nations, ça ne veut pas simplement dire tout le monde, ça veut dire tous les non-juifs. Et quand on lit Israël, ça ne veut pas dire nous, ça veut dire Israël. <laughs> toutes les nations y afflueront. Des peuples se rendront en foule et diront Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Et que nous marchions dans ces sentiers. Car de Sion sortira la loi, et des Jérusalem la parole de l'Éternel. Alors, si je faisais un, un, un cours complet de théologie, je citerais plein d'autres exemples, mais je ne vais pas le faire. Je vais juste citer un autre exemple qui est assez fort. C'est Zacharie 8, 23. Il s'agit aussi de, du, du jour du Seigneur, donc le, le temps messianique. Et qu'est-ce que dit Zacharie il dit Dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront Nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. Et, et, et alors, ce qui est très fort, c'est que qu -ce, qu -ce qu'est-ce euh, qu que disent les prophètes Ils disent Alors les nations deviendront, Dieu dit Alors les nations deviendront mon peuple. Les nations sont admises au banquet avec le peuple juif. Et ça continue, ça continue dans le Nouveau Testament. Probablement le texte le plus fort dans le Nouveau Testament, c'est Ephésiens 2, 14, si je ne me trompe pas. C'est Des deux peuples, il n'en a fait qu'un. Ou en fait, littéralement, le texte dit Des deux, il n'en a fait qu'un. Paul se situe comme un juif en train de parler à des païens. Et il est en train de dire. La bonne nouvelle en Jésus-Christ, c'est que Jésus, par sa mort, des deux, c'est-à-dire les, les deux les deux poumons, qui sont les juifs et les païens, les deux groupes d'hommes qui sont dans le dessein de Dieu, les juifs et les païens, des deux, il en fait qu'un. Il brise le mur de la haine. Et Paul continue en disant, vous n'êtes plus immigrés, vous êtes concitoyens des saints. Et il continue en, en 3.6 euh, en disant le mystère qui m'a été confié. Le mystère qui m'a été confié, c'est de proclamer. Non, c'est pas exactement ça, mais c'est de proclamer que vous, de nouveau vous les païens, vous êtes co-héritiers, co-membres du corps. Littéralement, le grec dit co-incorporé ou co-corporé, co-participant à la promesse. Donc, c'est très, très fort. Mais, alors là, j'ai une petite question. Est-ce que quand on devient co-membre, est-ce que ça veut dire qu'on devient membre exactement comme les autres Ou est-ce que ça veut dire qu'on devient membre avec mais en respectant les différences. Moi, il me semble que la logique d'ensemble de la Bible, de saint Paul ici, et d'autres textes, je vais vous citer un autre texte en trois minutes, c'est de dire les païens deviennent vraiment membres du peuple de Dieu. Ils entrent dans l'Alliance, mais ils n'ont pas besoin de suivre la loi de Moïse, et ils, ils jouent pas exactement le même rôle. Il y a une distinction de rôle qui se maintient. Pour moi, le, un des textes qui, qui, si, qui témoigne de ça, alors bien sûr c'est toujours difficile à interpréter l'Apocalypse, hein. mais c'est Apocalypse 7. Euh, donc une interprétation c'est que c'est la fin des temps, devant le trône de Dieu et de l'agneau. Les premiers versets c'est Il y a les douze tribus d'Israël. Et après il dit Et aussi tous les peuples, toutes les races et toutes les langues et toutes les nations. Juste pour dire, tout le monde est devant le trône de Dieu et de l'agneau. Personne n'est exclu, mais chacun a sa place. C'est vraiment acte 15. Et là, euh, si j'essaye de donner une explication théologique, euh, parce que le, voilà le texte, les textes bibliques, mais pourquoi est-ce qu'il y a une distinction qui est maintenue Moi, il me semble qu'on pourrait dire deux, donner deux explications. La première va être simple. C'est et c'est toujours aussi c'est la même chose pourquoi est-ce que dieu passe par un pour toucher tout le monde plutôt que de commencer par toucher tout le monde c'est pour nous rappeler que on dépend de quelqu'un on dépend toujours de quelqu'un que dans le régime de la grâce dieu donne en abondance mais on dépend toujours de quelqu'un et de fait ça veut dire l'église dépend du peuple juif l'église dépend de ses racines ses racines qui continuent à donner le, la sève maintenant. Et puis l'autre explication, alors c'est plus théologique, c'est le sens, par exemple pour les, les catholiques, les orthodoxes et les anglicans, High Church par exemple, c'est le sens du sacerdoce ministériel. Pourquoi est-ce que Dieu, vous allez voir c'est exactement le même schéma, pourquoi Dieu met à part un peuple et le maintient à part probablement jusqu'à la fin des temps pourquoi Dieu choisit certaines personnes et les maintient à part jusqu'à la fin de notre vie? Et la réponse principale que, que donne l'Église catholique ou les théologiens de ces différentes églises, c'est de dire Dieu met un, une personne ou un petit groupe à part pour rappeler aux autres que eux aussi sont élus. Dieu appelle certains au sacerdoce pour appeler à tous les autres que eux aussi par leur baptême ils sont prêtres, prophètes et rois. Mais jusqu'au bout, il faut maintenir à part pour avoir ce rappel permanent. Et de la même manière, Dieu prend un peuple pour appeler à tous les peuples que eux aussi sont aimés autant que le peuple élu. Que eux aussi sont élus autant que le peuple élu. Mais il faut que cette distinction se maintienne jusqu'à ce qu'on arrive dans l'accomplissement final. Ça a des implications énormes sur notre manière de vivre notre foi. Je vais juste lancer quelques pistes pour la compréhension du salut. Bien sûr, le cœur du salut en Jésus-Christ, c'est que nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons fils et filles de Dieu, du Père, en Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit Saint. Mais il y a quelque chose qu'on a énormément oublié, mais que saint Paul n'oublie pas. Galate 37 On devient enfant d'Abraham. » Chacun de nous ici, par Jésus-Christ, on ne devient pas simplement enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu en devenant enfant d'Abraham. On est intégré à ce peuple. Et je me rappelle, j'avais demandé à un ami qui est juif messianique de donner son témoignage. Il a dit, « Vous voulez entendre mon témoignage ?»

on peut dire ça. Il y a 4000 ans, Dieu a choisi Abraham. Et Abraham, c'est mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père par adoption. <laughs> Mais l'adoption, c'est quelque chose qui fait qu'on est vraiment enfant. Complètement. Complètement. Donc, il y a entré dans le fait que, lisant les, la Genèse, lisant les histoires des patriarches, ce n'est pas simplement l'histoire du peuple qui a préparé le christianisme, c'est l'histoire du peuple qui m'a adopté. Une autre implication, c'est le sens du baptême, le sens de l'Eucharistie. Le baptême nous guérit de nos péchés. Le baptême fait de nous des fils et des filles de Dieu. Très bien. Mais dans beaucoup de théologies chrétiennes, le baptême fait aussi de nous des membres du peuple de Dieu. C'est qui le peuple de Dieu En fait, c'est quelque chose, c'est inscrit depuis des siècles dans notre compréhension du baptême, mais on ne comprend pas. <laughs> c'est depuis des siècles, on dit, on dit ça, mais la vérité, c'est que ça nous fait membre de ce peuple-là, par adoption. Mais ça nous fait membre de ce peuple-là. Et l'Eucharistie, c'est la même chose. Euh, les pères de l'Église disaient, quand on communie, on devient chair du Christ. On devient membre du peuple. Mais de quel peuple De ce peuple. Qu'est-ce qui se passe des Juifs qui n'ont pas accueilli Jésus Saint Paul dit, le rameau est cassé. Alors, je n'ai pas rentré trop dans le détail du grec, mais en fait, le mot grec qui est... Dit là. Alors, souvent, les Bibles, les Nouveaux Testaments traduisent même pas casser, mais tailler. taillé ou séparer. On peut tailler une branche, et puis on peut casser une branche, mais elle reste maintenue à l'arbre par, par la peau ou par un petit bout de, de branche. Beaucoup d'exégètes disent, en fait, ça, c'est le, le sens de ce mot très précis, c'est ça parce qu'il y a plusieurs mots qui sont utilisés par Paul pour, pour dire casser ou tailler, et à ce moment-là, quand il parle de cette branche, c'est casser sans être enlevé. Mystérieusement, les membres de ce peuple demeurent membre, membres de ce peuple. Et Paul, par exemple, quelques versets plus, plus loin, parce que là, là, vous pouvez regarder 11, 17, 11, 22. Quelques versets plus loin, 11-26, c'est là que Paul dit « les dons et les promesses de Dieu sont irrévocables ». 29. « Les dons et les promesses de Dieu sont irrévocables ». Et deux chapitres avant, mais c'est la même section, Romains 9-4, Paul dit « c'est aux Juifs ou au peuple d'Israël qu'appartient, qu'appartiennent, et ça c'est au, au présent, c'est pas au passé, qu'appartiennent » l'adoption, la gloire, l'alliance, la loi, etc. Donc, il reste membre du peuple. Alors bien sûr, Paul annonce, il espère, il prophétise que tout le peuple sera sauvé. Que tout le peuple sera sauvé. Qu'à un moment, tout le monde sera ensemble. J'ai vraiment l'impression qu'on est actuellement dans l'histoire de l'Église à un moment très parallèle à 1910-1917, quand il y a eu les premières conférences missionnaires à Édimbourg et que euh, les, ces pasteurs protestants disaient :« Mais on ne devrait pas être divisé. L'Église, les chrétiens ne devraient pas être divisés. » Alors il y avait que des protestants à ce moment-là. Mais peu à peu, les autres ont suivi. Là, pour le moment, la plupart des Juifs diraient, euh, nous, c'est vraiment pas comme ça qu'on voit les choses. Vous n'aviez qu'à ne pas partir. <laughs> Vous n'aviez qu'à ne pas partir. Mais peut-être, il y a des signes, et tous les rencontres que je fais actuellement avec des, des Juifs, je pense qu'il y a vraiment des signes de personnes qui se disent, mais en fait, le christianisme, c'est une religion juive. Le christianisme, c'est Quelque chose qui fait partie de notre tradition aussi. Euh, comment comment il faut faire pour pour euh, oui comment on fait pour avancer. Et puis juste pour ne pas exclure qui que ce soit. J'ai dit il y a deux parties du peuple de Dieu Il y a le peuple de Dieu par nature par euh, naturel disons euh, comment j'ai dit par naissance peuple de Dieu par adoption. Et puis il y a tous les autres qui sont pas encore là qui sont le peuple de Dieu par appel. Toute l'humanité est peuple de Dieu. Dans le regard de Dieu, toute l'humanité est peuple de Dieu. Certains le sont par naissance, d'autres le sont par adoption et ils ont vraiment décidé de, de, de le vivre. Et d'autres le sont et ne le vivent pas de manière explicite. Comment ils vont le vivre, ça, ça fait partie du plan mystérieux de Dieu. Mais